Et nous sommes en train de suivre. Dans les révélations de libération, on parle de Lucien et Bataille et les autres. Mais tous autres là, ne crois pas que tu vas échapper. Tu n'échapperas pas, toi, Denis Christelle Sassou Nguesso. Tu n'es qu'un voleur. Si l'affaire Orion Oil fait grand bruit dans la capitale française, au Congo, le dictateur Denis Sassou Nguesso a intimé l'ordre de ne pas en parler. Une posture jugée indigne par la diaspora congolaise consciente de France et d'ailleurs. Roland Lévy Mito, opposant congolais exilé en France, nous brosse le tableau. Les coulisses de ce énième scandale qui touche le despote Denis Sassou Nguesso et sa famille. Chers compatriotes, peuple congolais, bonjour. Alors, cette courte vidéo, c'est pour permettre à vous qui êtes en République du Congo, pour être informés de ce qui se passe sur la place de Paris, mais surtout aussi à l'intérieur de notre pays, puisque bon nombre de nos compatriotes ne sont pas au courant. Ici, sur la place de Paris, la presse française, Libération plus précisément, a sorti pas mal d'articles. Demain, il y aura aussi un autre article qui va sortir. Toujours des révélations sur le cas de Lucien Ebata et surtout de son patron, de son chef, Denis Sassou, le voleur, le génocidaire, le criminel, Denis Sassou Nguesso, qui est le patron de Lucien Ebata, tout comme le patron de Denis Ngokana, de Jean-Bruno Richard Itoi, de Willy Etoka, et d'une autre personne qu'on a souvent tendance à oublier, Blaise Elenga. Oui, Pétrole a bientôt apparaître d'ici peu devant les tribunaux pour répondre par rapport à Mbongo Badzouaké, Lucien Ebata à l'aéroport du Bouger. En plus, ce qui est plus grave, il y a des policiers qui sont aussi complices. Il y a Lucien et Batalera à l'aéroport du Bouger, dans Kanakamiso, pour Akot Sambo et Bélé. Gala Salabino déjà la révélation à Yemi Sabino. Comment cela se fonctionne? Sassou a chaque sous Mbongo dans la banque T. Mbongo va comment que Bombango dans la Ndako. Tout comme la villa Suzette au Vésiné. Mbongo Mbongo Kuna. Tout comme du côté de l'avenue Rap, qu'on appelle Mbongo Mbongo. Bandako na bango e koma ba coffre fort na bango. Bambongo e koma ko vanda sko na bandako na bango. Parce que ce que tient bambongo na banque va tracer ya laka. Sassou a koma ko bomba mbongo na bandako awa na poto. Na bandako na bango e angonde e tonda bambongo e belé. C'est pour cela que chez Lucien Ebata, lors d'une perquisition, ba zwa ki 400 000 euros en liquide. Oya kende ko tsa na place moko boye, kote ba slip, na ba. Naba chemise naïe à la qui. Et, ba doit qu'il soit 35 000 euros na côté en bête naïe. Et 10 cartes bancaires. Lucien Ebata, Azamo Yibi Monene. Mais il n'est pas le seul peuple congolais. Na moi, vidéo est avocée, na mo salabino la révélation, oh ma kamone bino évité. Mais, Kiki Azawapi, pourquoi ne parle pas de Denis Christelle? Un autre voleur, un autre criminel. Denis Christelle, peuple congolais Makambo Boyebite, en complicité avec Coline Makosso et avec un certain Rock à Kindu, au Tcha Poison à Koufa. Mais Rock à Kindu,